Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Alors vous devez vous demander ce que c'est que tous ces petits morceaux de papier que j'ai devant moi. Eh bien, je vous avais promis qu'avec les chutes de papier de cet album-ci, donc le petit album printanier, je ferai des cartes. Donc j'en ai fait et voici ce qui me reste. Et là, je vous avoue que je crie grâce. Donc je pense que bon, il y a peut-être certains morceaux que je vais conserver, et puis il y en a que je vais évidemment jeter parce que là, vraiment, je pense que j'ai relativement bien optimisé donc tous ces petits papiers. Et donc voici les cartes que j'ai faites donc avec. Donc la première. C'était avec les chutes de papier fleuri. J'ai rajouté quelques découpes de feuilles, des fleurs ici. Ici, donc j'ai mis un petit mot joyeux anniversaire que j'ai embossé. Voilà, que dire de plus? Alors, je pense pas que vous le verrez beaucoup, mais j'ai mis du glossy sur les rainures, donc des pétales, pardon, enfin des feuilles. Je vais y arriver. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, voici pour celle-ci. Ensuite, donc, j'ai fait plusieurs teintes. Ensuite, donc, il y a celle-ci. Donc, superposition de papier, des fleurs ici, des découpes. Également, quelques petits strass. J'en ai plein et je pense jamais à les mettre. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de sortir. Voilà, une carte un petit peu décalée, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu décalé. Donc voici pour la seconde. Donc rien de particulier, hein, un petit mot ici en plusieurs. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a plusieurs dimensions à la carte. Mais voilà, rien de vraiment particulier. Donc on passe à la troisième. Alors, la troisième, c'est un petit peu plus enfantin. Voilà, mais j'aimais assez. C'est vrai que ce papier, ben, je ne sais pas pourquoi, mais il me faisait penser à des abeilles. Donc, j'avais ce tampon acheté il y a des lustres et je crois que je m'en suis jamais servie. Donc, j'ai trouvé que c'était l'occasion. En plus, les teintes jaunes se prêtaient bien à ça. Donc, voici pour la troisième. La quatrième, alors celle-ci, elle m'a demandé beaucoup plus de travail. Dans les chutes, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais du papier donc très fin, qui est celui-ci, des blocs 15-15, des petits blocs, donc papier, je ne sais plus quel grammage, mais enfin bon, c'est du très fin. Et ensuite, le papier plus épais, donc papier cartonné, des blocs 30-30, action classique. Et donc, toutes les rosaces, donc j'avais beaucoup de chutes comme celle-ci. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus difficile sur une carte, parce que du coup, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas tout ça. Et donc du coup, ben voilà, je me suis amusée à faire 7 rosaces. Bon, finalement, je trouvais que ça faisait, c'était original. Voilà, bon, ça change un petit peu. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu de boulot, hein, franchement. En plus, le papier étant très fin, pour le pliage, faut faire extrêmement attention. Bon, j'ai sorti ma planche de pliage, hein, je l'ai pas fait au, comment dirais-je, avec mon coupe-papier, je l'ai fait vraiment avec ma plaque de rainurage. Mais franchement, c'était sympa. Bon, je me suis amusée, mais c'était sympa à faire. Et donc, la dernière carte, voilà. C'est celle sur laquelle je traînais un peu. Je ne savais pas trop comment faire. Et puis, j'ai fait un quadrillage de papier, comme un tissage, en fait. Hein, donc, un papier, une bande passée... Voilà, en intervertissant chaque fois comme un tissage, ni plus ni moins. Ici, donc, un mot « Happy Birthday » avec de l'embossage. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis ici, quelques fleurs. Voilà, histoire de rajouter. Vous savez, quand il n'y a pas de fleurs chez moi, c'est un problème. Donc, voilà. Donc, voici pour mes 5 cartes. Donc, je vous rappelle, avec les chutes de papier, ben, je pense que le deal a été respecté. Je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillée, même si, effectivement, j'aurais pu encore faire un petit peu mieux puisqu'il m'en reste. Hein, il me reste tout ça. Mais je pense que globalement, voilà, j'ai tenu un petit peu le deal. Alors, c'est sûr que moins bien que le dernier album que j'ai fait où là, j'ai vraiment utilisé toutes les chutes. Mais je pense que, voilà, globalement, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que globalement, je me suis bien débrouillée. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!